Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour les énergies de ce vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 janvier 2023. Donc pour ce week-end, on se retrouve pour le Caféscope. Alors aujourd'hui nous fêtons la Saint-Sébastien, donc bonne fête à tous les Sébastiens. Demain Agnès, bonne fête à toutes les Agnès. Et dimanche nous fêterons les Vincent. Donc bonne fête à tous les Vincent pour ce week-end. Allez, on est parti. On va aller voir les énergies pour ce week-end. Et nous avons intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. L'intervention divine, faites confiance à l'univers, au divin, à la source. Hein, soyez patient. On le dit, quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc, pas d'inquiétude. Allez. Nous avons le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober, de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Prendre une décision en étant honnête, hein, que ce soit avec ses sentiments, avec son cœur, avec son âme, avec ses émotions. C'est vraiment, voilà, faire le choix, prendre une décision qui vraiment nous ressemble. Hein, vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir parce que vous avez peur que la personne, pardon, que la personne vraiment, le prenne mal, quoi. Je cherchais le mot. Là, on est bien, là. Allez, on est parti pour les messages. Bonjour les béliers. Le 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent. Et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Bonjour les taureaux. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas juger. Mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Bonjour les Gémeaux. Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre de bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Bonjour les cancers. Guérisseur de la prospérité, vous êtes une personne à part, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille, cette lame vous représente, une personne peut-être vous, peut-être avec des dons pour le dessin et la décoration ou et la décoration ouverte et mature. Le guérisseur de la prospérité. Bonjour les lions.
Aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne laissez pas certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Où vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Bonjour les vierges. Le messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonnez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que des bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Bonjour les balances. Le 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude, de projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une renaissance publique. Bravo, si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Bonjour les scorpions. Le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous en oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre des nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Bonjour les Sagittaires. Aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vif d'esprit et d'une infinie patience. Bonjour les Capricornes. Le 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiet, vos anges gardiens sont là pour vous protéger. Tout ce à quoi vous tenez est tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Bonjour les Verseaux. Nous avons la reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce qu'il vous faut, la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide, face à tant de gratitude, vous la méritez. Super les Verseaux. Et pour finir, les Poissons. Suspense. Nous avons le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Ah là 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 là. Vous pouvez être fiers de vous, les petits poissons. Bon. On va prendre le message final. Et nous avons le 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous.
mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous, au fond de vous. Vous savez quoi faire. Donc, si vous n'arrivez pas à prendre de décision, pas de précipitation, n'oubliez pas aujourd'hui, enfin ce week-end, on a l'intervention divine hein, qui nous répète que quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc, pas de précipitation pour ceux où les choses ne se sont pas encore déroulées, d'accord? Donc, pas de précipitation, hein, on a l'intervention divine, donc on garde confiance, plus que jamais, on garde confiance en l'univers, au divers, en vos croyances, peu importe. Vous l'adaptez, d'accord? On vous dit de ne pas hésiter à demander à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre, d'accord? Si vraiment vous êtes perdu et que vous manquez d'indices, de direction, de lumière, pour être, enfin, d'éclaircissement pour pouvoir choisir bien son chemin, n'hésitez pas à faire appel aux anges, d'accord? Ils sont là pour vous diriger. Voyez, même là, on avait le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober, de prendre une décision. Donc, ce week-end, vraiment, il y a une décision à prendre, d'accord, hein, pour les signes. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir. Voyez, là aussi, on vous le dit que vous avez déjà choisi ou que vous le savez déjà. Et là, on vous le répète à la fin, d'accord? Au fond de vous, vous savez déjà quoi faire. Donc, la réponse, vous l'avez déjà au fond de vous. Même en écoutant cette vidéo, vous le savez. C'est juste que voilà, vous avez besoin d'être confirmé, vous avez un peu, pour certains ça va être la peur, pour d'autres ça va être le manque de confiance, le manque de croyance en la vie. Voyez, enfin, il y a ça, mais pas d'inquiétude, ok? Faites confiance au timing divin, faites confiance en la vie, d'accord? Pas d'inquiétude les amis, d'accord? Allez, je vais vous souhaiter un très bon week-end. D'accord. On se retrouve lundi pour les énergies du Caféscope de la semaine et de ce lundi. Je vais vous souhaiter un très bon week-end. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve lundi les amis. Bye bye, à très vite.